Eh bien bonjour à toutes et à tous, à la Trains, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre montée en or du sniper M40A3. Donc on y est presque, on a celui-là et on a l'or en même temps. Donc on passera évidemment à un autre sniper. Alors lequel, je sais pas. J'ai le R700 ou j'ai 4 sur 25, c'est vraiment la merde. J'ai celui-là, j'ai 14 headshots sur 25. Et j'ai le Dragunov où j'ai 17 headshots sur 25. Et là, on a plein à faire. Donc, on va déjà passer sur 20 camps en plus. Voilà, quelque chose, j'ai réfléchi. Donc, on va passer ce sniper en or dans cette partie. Parce que bon, 12 kills, hein, ça devrait être faisable, n'est-ce pas? Avec un petit clip, c'est encore mieux. Parce que bon, je vais pas vous le cacher, j'ai pas enregistré, mais je me suis pris la quad avec la triple headshot dedans. Je peux vous dire que c'était à la limite du rachit. Hein. Mais bon, on ne l'a pas fait parce que nous sommes des gens raisonnables. Hein. Voilà. Donc, que dis-je, que fais-je? Ben, on va passer l'or, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il y a combien de snipers? Il y en a 5, donc il faut passer 5 snipers en or pour avoir le camouflage régal. Ah non, c'est royal en français. Royal! Donc, on va essayer de faire ça correctement. On a 1 sur 5 là, on a 1 sur 5 avec celui-là. Ça fait 1. Mais me colle pas, gros con! Putain, l'assistance déjà. Bah alors. Toi, Starscope, putain, bah non, évidemment, parce qu'il joue à la M4, regardez, viseur fixe. Encore des gens bien forts, bien intelligents sur ce jeu. Hop, toi, je te nique, toi là-bas. OBG, il y a quelqu'un là-bas. Feu. Ah bah non, il a été tué par lui. Autant pour moi. Ça m'arrange, j'ai envie de dire. Mais genre, ose me dire que je me suis pointé devant son viseur. Bah, bien sûr, c'est pas sur moi qui tirait. Vous en êtes témoin, vous avez vu la killcam comme moi, donc c'est pas sur moi qui tire, c'est sur le gars derrière, mais c'est moi qui me suis pris la balle, donc voilà. Évidemment, ça fait bien chier. Bon, celui-là, je l'ai raté, hein, on va pas en parler plus longtemps. Allez, nos scopes. Je sais pas si ça compte, j'ai fait un petit visé avec, mais bon, on sait pas. C'est plus un oscope qu'un flashscope, donc je sais pas s'il sera pris en compte le kill ou pas. On va pas se mytho, on va balancer une petite grenade parce que bon. Voilà, toujours quelqu'un, un gars. Il y a toujours un gars ici, voilà, je l'ai niqué. Bon, il m'a niqué avant, mais je l'ai niqué quand même, donc voilà, voilà. Oh, ben. Et puis quoi d'autre? Bah oui, attends. Bah oui, regardez, hop. Voilà, très bien, AK-47. Encore un gars intelligent. Ça fait toujours plaisir. Je me fais enchaîner la gueule. Bon, le vitré qui les enchaîne là, il vient de mettre la quad feed là, vous avez vu en bas là. Et il continue hein. Et qu'il est bon. Putain, comment je suis pressé d'avoir le Barrett. Je vois tous les gars faire des quad feed et tout au Barrett. Ah, moi je suis là avec mon M40, mon Dragunov et tout là. T'as les gars qui ont le camouflage royal. C'est vraiment des ouf. Donc, évidemment, l'objectif c'est de l'avoir, c'est comme une flag, donc on va quand même essayer de faire de notre mieux. Et pas la collate là. Répète-le une fois. Et voilà, lance-patate triple, voilà, ça c'est un bon joueur, tu vois. Enculé de ta mère, va. Ah non, il est mort. Thank you.
Ah, mais j'ai toutes mes balles à côté, là. Le bombardement, ça me casse les couilles. Ça fait tomber toute la map, là. Bon, est-ce qu'on est mauvais ou... Ouais, on l'est. Putain, le Vitric, il va encore nous mettre la quad feed. Putain. Deux fois déjà, au début de la game. Il est chaud, lui. Il se passe quoi, là? Et pourquoi moi j'arrive pas? Et moi alors? Oui, c'était derrière moi, devant. Oui, c'est bon, j'ai vu. Hein. Bon, on va le passer ou pas? En vrai, il m'en manquait 12, mais j'ai mis un oscope, donc il a pas compté. J'ai fait un kill à la grenade, donc il me reste 2 kills à faire. Techniquement. Bah oui, il était pas dedans. Bah non, attends. Pourquoi il devait l'être? Allez! Oh la grenade! Ah, j'ai rien compris là, je me suis fait enculer. Enculer. C'est bien si je ratais pas mes balles à chaque fois qu'il y avait quelqu'un devant moi, putain! Je suis vraiment une merde quoi! Vitric, laisse-moi des kills au lieu de faire des quad kills à chaque fois là. Oh, la partie elle va arriver là à la fin et je vais pas faire mes deux derniers kills. Putain de merde. Ah voilà, 150 éliminations. Voilà, camouflage or. Eh ben putain. On en a bavé hein, pour avoir ce premier sniper sur ça. Oh, alors j'imagine même pas les autres. Celui-là c'est le mieux avec le barrette, les autres c'est de la merde. Et voilà, magnifique. Es-tu encore là en train d'arscope? Bah évidemment, on ne change pas un vrai campeur. Eh oui, bah oui. T'es sérieux toi? Putain, bon, on va changer de snipe. J'ai essayé de reprendre le bizarre normal parce que maintenant on est en or, c'est bon. Hein. Allez. Ah. Non. Si. Je l'ai chié. Oh là 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 là, les gars. Mais regarde à quoi ils jouent, quoi. Les gars, comme ça. Putain, mais qu'ils aillent tous se faire enculer. Hus, hus, j'ai survécu à l'explosion. Oh putain. Mais quelle bande de PD. Putain, comment je vais en baver avec les autres snipes quoi. Oh. Oh, je vais me chier dessus. Bah bien sûr, le couteau qui passe à côté. Et voilà, l'oscope qui passe pas. Bah oui, très bien en plus, pour passer en négatif ça. Bah oui, ça c'est magnifique. C'est ça qu'on aime sur Code 4. C'est que t'es positif depuis le début de la game et t'as un connard qui te fait passer en négatif. Alors moi je m'en bats les couilles, je ramasse la batteuse. Non, ça sert à rien, je peux utiliser une merde. Et voilà, Masto, mais putain. Il y a vraiment que des PD sur ce jeu. J'ai jamais vu ça. Et voilà. Bon, j'étais grave concentré, je voulais repasser en positif, mais je crois que là c'est mort. Sauf si j'arrive à rester là. Et elle est bloquée. Ah mais encore, faudrait-il que je sache viser. Voilà, ma petite grenade, c'est bien ça. Ah.
là. J'essaie vraiment de repasser en positif parce que sinon c'est un peu chiant. Yes, je suis pas trop positif. Voilà, bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Évidemment, on a débloqué le sniper en or, donc je vais vous le montrer. Mais donc, voilà. On va passer à un autre sniper. Évidemment, on passera, je sais pas auquel. Non, on passera à un autre sniper. Et donc, voilà, on est déjà à un cinquième de la fin de cet objectif. Quel royal sur notre partie, notre catégorie de sniper. Donc ça fait plaisir. Et en plus, j'ai réussi à passer en positif. Voilà. Alors, créer une classe. Regardez-moi ce camouflage en or. Ah là 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 là, qu'il est beau. Et donc le royal que je disais, le néon que je disais, qui est beau aussi. Donc je vais laisser celui-là en néon. Je vais mettre celui-là en or. Voilà. Comme ça, ça fait plaisir. Et on commencera certainement avec le R700, enfin un des autres snipers que j'ai. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao tout le monde.